Et bonjour aux amis, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue aux nouveaux arrivants et arrivantes qui nous abonnent à la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, en ce lundi matin, je vous fais une petite vidéo sur la Hofbermann, la dernière version, la 1.0.8.1 en version française. Et avant de démarrer tout ça, j'ai quelques petites explications à vous donner. Déjà, désolé pour samedi de ne pas avoir eu de live parce que j'ai eu un problème avec Steam, donc ça c'est résolu. Et de deux, est-ce que vous voulez qu'on fasse une carrière sur la Hofbermann avec les explications que je vais vous donner? Donc, si on fait une carrière, quand vous voyez en haut à droite, il y a zéro d'argent. On n'a pas du tout. On n'a pas d'argent, on n'a rien. Pour en ce qui concerne la map, vous voyez qu'on a que le corps de ferme et le champ numéro 5. On n'a rien d'autre. Ensuite, le matériel, on n'a que le matériel fourni par la map. Ouais, que le matériel fourni par la map, vous voyez les bateaux, vraiment, que la map nous donne, tout simplement. Ensuite, si on regarde dans les réglages, vous voyez déjà dans le silo, il n'y a rien du tout. Et dans les réglages, en laissant là, intervalle de sauvegarde, j'ai retiré, on a les mauvaises herbes, la chaux requis, labourage périodique requis, oui. On a la destruction des cultures, on a la fanaison des cultures, on a la croissance des cultures en standard, on voit tout et en an. Démarrage automatique du moteur, non, ça y est, c'est en standard. Trafic routier, oui, mais il n'y en aura pas, je pense. Et le temps réel. Donc, mais pour commencer, on va commencer par le commencement. On va déjà démarrer la moissonneuse batteuse. Allez, ça barre le coup. Et on est parti. Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous vous portez bien, que vous êtes bien amusé. Et quant à moi, suite au problème que j'ai eu avec Steam samedi qui n'arrêtait pas de crasher, je ne pouvais plus l'ouvrir sans qu'il se bloque. Il disait à chaque fois Steam ne répond pas, Steam ne répond pas. Donc je n'ai pu rien faire du tout. Donc c'est pour cela que je n'ai pas pu faire de live. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on va se rattraper mercredi avec la team. On va continuer sur la map allemande, remodifiée en français. Et j'ai retrouvé la dernière version de cette map-là, que j'avais téléchargée un peu comme tout le monde sur King Mod. Mais sur King Mod, ce n'est pas la dernière version. Donc je préfère le dire à tout le monde, il faut que vous téléchargez la map ailleurs pour avoir la dernière version. Voilà. Donc, là, ben, comme je vous ai dit, hein, on commence vraiment la vue de fermier avec zéro d'argent. Oui, déplier là-bas, déplier. Hein, aussi encore. C'est bon. Il me fait. Je devais d'abord déplier la moissonneuse batteuse. Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? Ah bon. Donc, on est parti. Donc, on commence par le matériel qu'on a, hein, tout simplement. Zéro d'argent, rien du tout. J'aurais dû retirer quelques véhicules du corps de ferme, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais là, vu qu'il est trop tard. Enfin, il est jamais trop tard. Après, c'est vous qui voyez si vous voulez qu'on fasse une carrière dessus, mais que vous avez des idées de carrière, des idées pour faire une carrière dessus. Donc, dites-moi dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous y répondre. Vous savez très bien que je vous réponds à chaque fois dans les commentaires. Et il n'y a pas de problème. Donc, si vous avez des idées pour franchement faire des vidéos sur la carrière de la Hofbermann tous les lundis, ça sera tous les lundis. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Voilà. Sinon, je vous prévois mardi de vous faire une vidéo sur le jeu que je suis en ce moment. Ça s'appelle Ark. Faire une vidéo découverte dessus pour montrer aux personnes qui savent, les personnes qui savent pas ce qu'est le jeu Ark. Je vais vous montrer ce que c'est. Par contre, on voit rien du tout, mais c'est pas grave. J'ai oublié de switcher comme ça. Je vais viser par l'extérieur pour voir ce qu'on fait.
Donc, voilà. Donc, demain, si tout va bien, je dis ça, si tout va bien, ce sera la off-berm, ce sera la vidéo présentation du jeu Ark, avec ma base et tout ça qui est en préparation, bien évidemment. Pour l'instant, elle n'est pas encore finie. Et certains dinosaures, vous verrez, d'autres que. Si la vidéo intéresse du monde, ça sera sur. Vous verrez bien. Vous verrez bien demain, si tout va bien. Là, aujourd'hui, c'est sur la Hofbermann. Mercredi, vendredi, samedi, ce sera la continuité sur la map allemande. Cette fois-ci, c'est la bonne version. Du mal, on a eu du mal, enfin, j'ai eu du mal à la trouver. Et la FC, c'est vraiment la bonne version de la map. La dernière version, ils ont retiré les clous. Donc, il n'y a plus de possibilité de faire des clous dans la map, dans la dernière version. Voilà. En off, j'ai avancé pour rattraper tout ce qu'on avait déjà fait, évidemment. Et donc, pour le prochain live qu'on fera dessus, on saura où c'est qu'on s'était arrêté. Avec, bien évidemment, du nouveau matériel, avec la team. Je vous laisserai découvrir par vous-même mercredi. Du bon matériel assez gros, enfin assez gros, on va dire en capacité. Vous verrez par vous-même. Sinon, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Sinon, vous inquiétez pas, le champ de France, je l'oublie pas, bien évidemment. Sauf que, bien évidemment, pour l'instant, je l'ai mis de côté. Parce que j'avais fait un sondage et pour l'instant, il y a une égalité sur les. Sur deux réponses. Vous avez demandé. Alors, quelle corde de ferme vous voulez qu'on démarre sur Champ de France? Vous étiez plusieurs mondes, hein, plusieurs personnes à me répondre, mais pour l'instant, l'égalité, c'est il y en a deux personnes qui ont répondu à la ferme numéro 1, et il y a deux autres personnes qui ont répondu à la ferme des cochons. Donc pour l'instant, je ne peux pas faire autrement que d'attendre. D'attendre vos réponses. Donc c'est pour ça que pour l'instant, Hofbermann, elle attendra tout simplement. L'Hofbermann, non pas l'Hofbermann, la Champ de France. Parce que je vous avais fait des sondages. Et ça tombe qu'une personne réponde au sondage. Pour voir sa réponse et pour démarrer la carrière sur Champ de France. Voilà, tout simplement. Nous, pour l'instant, j'ai pas de jeu à vous présenter. Enfin, si j'en ai un, c'est dans ma liste de Steam. Il faudra que j'installe pour vous présenter. Enfin, il faudra que je teste d'abord de mon côté que ce qu'il vaut. Je vais pas vous faire un. Vidéo sur un jeu que je connais pas. C'est pour ça que je préfère tester avant en off et savoir s'il serait bien à être présenté ou pas. Tout simplement. Donc voilà. Donc on va arrêter le moteur parce que le gasoil ça coûte cher. On va prendre ce tracteur-là, le Fen 505C. Turbo Shift. Vous avez compris. Hein. Donc, on va remplir cette remorque-là. Du l'intérieur, on débâche. On prend un peu l'air pour la remorque. Clairement, avec la bâche, ça doit sortir renfermé là-dedans. Et on va se remplir tout ça. Vous avez pu voir, zéro d'argent. Niveler
La difficulté, vous avez vu tout ce que j'ai mis en mode difficulté. Fanaison des cultures, destruction des cultures, labourage, la chaux. Tout ce qui peut être vraiment plus balèze possible. Donc, vous voyez. Voilà. Ça se vide. Là, hop, vous voyez. Après, il y aura besoin de chaux dans ce blé-là, dès qu'on aura fini. Dans ce blé-là, dans ce champ-là, excusez-moi, c'est le matin. Je vous tourne cette vidéo-là, je suis pas encore vraiment bien réveillé. Et c'est un peu dur. Et le réveil. Enfin, le réveil, ouais, ça fait une heure et demie que je suis réveillé. Donc, c'est un peu compliqué. Sinon, je vous promets que Ark, ne le ratez pas, parce que c'est vraiment un bon jeu, ça. Bon petit jeu, assez sympa, qui mérite au moins de voir la vidéo. Après, c'est à vous de voir, mais franchement, c'est vraiment un jeu qui risquerait de plaire à quelques personnes. Mais bon, je vous en laisse la surprise. Tout simplement. Sinon, qu'est-ce que vous pensez si je vous fais des vidéos en facecam? Comme on fait en ce moment. Je vous fais des vidéos avec la cam allumée. Qu'est-ce que vous en pensez? On va voir s'il y a du monde qui suit mes vidéos jusqu'au bout ou pas. On verra bien. On verra tout ça. Et sinon, ouais, j'ai. Et vu que samedi, j'ai eu un gros problème avec le Steam. Je ne pouvais plus l'ouvrir du tout. Il m'arrêtait pas de cracher. Bloqué, en fait. Dès que je l'ouvrais, c'est Steam ne répond pas. Il n'y avait rien à faire, je pourrais rien faire autrement que de le désinstaller carrément Steam, complètement pour le réinstaller, parce qu'il ne voulait plus rien savoir. Donc le problème est que mes jeux d'installer sur mon ordinateur, tout est parti, j'étais obligé de tout réinstaller, donc c'était un petit peu chiant. C'était surtout long. Donc, farming, obligé de réinstaller farming, ce qui a pris, il n'y a pas pris beaucoup de temps. Et j'ai eu Ark, qui a pris une grosse partie du temps pour réinstaller. Bon, après, il fallait que je réinstalle Steam, tout ça, donc, vous voyez le boulot que c'était fait, le boulot qu'il y avait à faire, franchement. Je ne vous en parle pas. Ça, c'était assez chiant quand même. Enfin, c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus, c'est terminé, et c'est plus à faire. Donc là, aujourd'hui, on ne fera pas tout le temps. Je finirai en off, mais évidemment, sinon j'imagine pas la vidéo, combien de temps qu'elle va durer. En plus, là, c'est petite récolte en vue intérieure de la batteuse. C'est assez marrant, je trouve. Si ça vous plaît, dites-moi le dans les commentaires. On fasse ça en haut. On fasse des vues intérieures comme ça. Bien évidemment, de récolte, parce que le tracteur, ça, on voit quand même beaucoup de youtubeurs qui font des vues intérieures de tracteur. Mais les vues de moissonneuse-batteuse, à l'intérieur, c'est pas pareil. Mais bon. Je trouve que c'est assez marrant de faire une vue intérieure de la batteuse. Batteuse New Holland de base, bien évidemment. J'ai raté un épi. De blé, bien évidemment. Et donc, ce matin, moi, j'ai rendez-vous chez le dentiste à 10h55 pour mon détartrage de tous les 6 mois. Donc, ça me dérange pas. Au contraire, après c'est encore mieux. Non, la bouche saine et propre. Je me brosse les dents tous les jours. Eh bien, faire mon détartrage tous les 6 mois. Après c'est fait, c'est plus à faire.
Et on est tranquille pour les fêtes. Donc, sinon, dites-moi dans les commentaires comment vous allez, comment s'est passé votre week-end, tout ça. La santé, ça va? Qu'est-ce que vous pensez de la carrière? Une carrière suivie tous les lundis sur cette map-là. Dites-moi si vous trouvez d'autres modifs qu'on peut faire sur la carrière, à part tous les réglages que je vous ai montrés et qui a été fait, les zéros d'argent que vous avez pu voir, ah non, c'est zéro de chez zéro, rien dans le silo, vous avez pu voir. Est-ce que vous pensez que le matériel, on en a trop? Si on en a de trop, on en revend une grosse partie et on recommence la carrière ben, on recommence la carrière du début. Là, c'est une vidéo test pour voir si vous allez aimer ou pas, qu'est-ce que vous en pensez, répondre à ces multitudes de questions, enfin, multitudes de questions, pas autant que ça en plus. Et donc, à vous de voir. Enfin, je verrai s'il y a du monde qui suit la vidéo jusqu'au bout ou pas. Et là, les questions sont en plein milieu. Enfin, ouais, plein milieu, façon de parler. Plein milieu plutôt vers la fin de la vidéo. Parce que là, on va finir la dernière ligne et je pense que ça sera bon. Enfin, on n'aura pas le temps de la finir. Voilà, je m'en doute un peu. Et ben, j'ai plein des bons andins quand on l'a ramassé. Là, on va vider ça dans la remorque et on se quittera. On se quittera sur ça. Je vais pas vous faire une vidéo qui va durer des plombes pour pas le temps. Enfin, voilà, les amis. Voilà, à la fin de la vidéo. Donc, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette carrière-là? Avec les réglages que je vous ai montrés, avec zéro d'argent, tout ça. Si vous avez des modifications, dites-moi dans les commentaires. Si on a trop de véhicules, dites-moi-le. Ah, là, c'est juste une vidéo test de cette map-là. Pour voir ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite, très prochainement, pour une autre vidéo demain sur. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, bye bye.